Plus d'une heure et demie de discussion déjà entre Gilles Simeoni et le collectif Tavignanu Vivu. Le président de l'exécutif rappelle les positions de la majorité. C'est un non catégorique pour tous les projets portés par une société privée, comme c'est le cas à Giuncaggio. La priorité est donnée aux projets publics. Si la position du président de l'exécutif se veut rassurante, les membres du collectif craignent que le projet voie finalement le jour. Nous pensions qu'il y avait une continuité de l'État. L'ancien préfet avait posé son mémoire qui a été débouté en tribunal administratif, mais on ne comprend pas pourquoi la préfète ou le préfet de Haute-Corse ne défend pas leur ancien collègue. On ne comprend pas. Le collectif compte faire appel de la décision du 3 octobre dernier. Le tribunal administratif de Bastia décidait alors d'autoriser l'ouverture et l'exploitation du site de Giuncaggio et casser l'arrêté préfectoral établi. Ce matin, à Ajaccio, une délégation a été reçue en préfecture pour évoquer le refus du préfet de Haute-Corse de faire appel de cette décision. L'État doit nous défendre. L'État est là pour assurer la protection sanitaire. Pour assurer aussi la paix publique. Et là, on est très menacé sur les deux plans. Le collectif compte à nouveau manifester dès samedi à Aléria. Le dossier, lui, ouvert depuis maintenant 4 ans, n'est pas prêt de se refermer.